souhaite la bienvenue dans la maison des secrets. La voix bien observée, et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Votre réalité, votre talent d'observateur, vous servent quotidiennement. Pour vous récompenser, la voix a décidé de vous rendre votre troisième œil, car elle sait que vous allez en profiter pour faire partager cette expérience à votre communauté. Pour la première fois dans la maison des secrets, vous êtes plus que invité à écouter, poster, snapper. Mais méfiez-vous les apparences, car la maison recèle quelques surprises. En attendant, profitez de l'objet de bienvenue de la fois que vous avez réservé. C'est tout. Hello à tous. Alors maintenant, je vais commencer une petite visite. C'est la visite de la maison des secrets. Ouais, parce que ce soir, grâce à la production, j'ai pu rentrer en exclusivité dans la maison des secrets avec 10 autres candidats, personnages, fous, dingues. On avait des secrets, on a joué toute la soirée, donc je sais pas si vous nous avez suivis sur Periscope ou sur tous les autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, nous, on continue à jouer parce qu'il reste encore des secrets. Le mien n'a pas été découvert, alors je compte sur vous pour garder le secret. Mais en attendant, pour vous faire patienter, je vous fais visiter la maison. Alors, voici où les nouveaux candidats de SS10 vont vivre. Vous êtes prêts? La visite commence. Alors voilà, on arrive. Il y a une petite porte avec Nadège. La suivante, c'est Benoît. Alors, Benoît n'a pas d'ouvrir sa porte. Alors, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a derrière sa porte. Ce sont les toilettes. Eh oui, il faut bien qu'ils aillent aux toilettes, c'est pour candidats. Moi, je vous dévoile tout. Vous arrivez dans le grand salon où il y a déjà des habitants en fait qui sont venus pour ce soir. Les tarés dont je vous ai parlé, ils sont tous là. Oui, même elle est là. Oui, bon, on a fait rentrer n'importe qui. Voilà. Les bombages de la saison sont là. Il y a Johan aussi, il fallait qu'ils viennent. Il nous fallait un bébé dans la bande. Donc voilà le salon. Tac. Salon. Avec une petite roue de la Joconde. Alors, je vous laisse lire tous les mots. Loi, il, cesse, oser. Zelle, isolé, œil, solo, elle. Donc, surprise. Bon. Je vais me prendre pour un candidat quelques instants et je vais faire tourner la roue. Vous êtes prêts? Alors, sur quoi va tomber la voix? Enfin, la flèche. Ça me perturbe tout ça. J'ai pas intérêt à finir sur isolé. Bon, ça tourne. Ça n'en finit pas de tourner. Tu n'arrives plus, hein. Bon, on reviendra la voir quand elle aura fini de tourner parce que je pense qu'elle tourne encore pendant 8 jours. Là-bas, vous avez des portes. Bon, Marie aussi a sa porte, mais. Sinon, la voit bien là. Leïla aussi. Sur la porte des chambres là-haut, vous voyez, Émilie. Et Émilie est là aussi. Et alors là, les chaises de la confrontation. Attention, ça ne rigolera pas. Là, c'était nos secrets de ce soir. Et regardez là-haut, il y a certainement des indices dans tous ces mots. Buzzer, Secret Story, Maison, 10. Il y a beaucoup de flammes en rose. Un hôtel. On fait un petit tour dans la cuisine maintenant. Et la voix, elle a pensé à tout, elle nous a même fait à manger. J'espère que ça vous plaît. Par contre, alors, encore une fois, beaucoup de flamants roses dans cette saison. Et d'ananas. Bon, alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans la liste des secrets qui sont sortis dans les secrets de Coqui, il y en avait un qui était. Qui avait la phobie des fruits. Et regardez tout ce qu'il y a ici. Plein de fruits. Plein de fruits. Donc à mon avis, s'il a la phobie des fruits celui-là et qu'il est dans le jeu, il est vraiment mal barré. Et d'ailleurs, ils ont même pensé à lui en dessous de la télé. Il y a encore des ananas. Donc à un moment, ça fait vraiment trop peur pour lui. Je pense que le pauvre va mourir d'une crise cardiaque. En 2 jours, les vrais candidats ils seront assis là. Et nous, pour l'instant, c'est nous qui squattons. Et franchement, on est pas mal. Moi, je vous dis les gars, il faut faire Secret Story. On est tranquille.